Pour ceux qui ont déjà lu, qui sont déjà arrivés au niveau de l'action de grâce, je voulais profiter, et comme nous avons rendu grâce assez, de manière extensive ce soir, je voulais profiter pour te supplier de voir comment tu peux prendre ton cahier. Est-ce que les 7 personnes qui devaient partager sur le chapitre 5 et les 7 du chapitre 6 sont présents? S'ils sont là, qu'ils viennent rapidement. On va avancer, mais avant d'avancer, on va essayer de faire ce résumé-là. Où sont les 6 personnes du chapitre 5? Après les 6 personnes du chapitre 6, rapidement. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zaghouri Marie-Jeanne du groupe et de l'Assemblée 10 d'Atiekwa. Par rapport au chapitre 5, une vérité qui nous avait touchés, c'est par rapport au paragraphe qui parle du nom de Jésus. Et ce qui nous a frappé, c'est que dans ce paragraphe-là, le Seigneur, à travers le frère Zach, nous demandait de cesser de prier directement Jésus. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que d'habitude, c'est facilement qu'on disait « Seigneur Jésus, fais ceci pour nous, Seigneur Jésus, fais cela pour nous. Mm-hmm. » Mais à travers ce paragraphe-là, on a été interpellé à nous corriger notre manière de prier. Ce qui est correct, c'est de demander au Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et on s'est engagé à corriger notre manière de prier. Et désormais, nous prions Dieu au nom de Jésus. Et lui se charge de demander à Jésus de faire ce que nous lui avons demandé. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Ewuma Kadjanyami Anne-Marie. Je viens de la région de l'Amée. Mon faiseur disciple, c'est la sœur Reine. Je viens d'Azopé. Gloire à Dieu. Je vais presque dire que nous avons tous la même vérité. C'est la même vérité qui nous a marqué aussi quand nous avons fait la lecture au chapitre 5. Le nom de Jésus. Que je cite. Le Seigneur Jésus ne nous a pas enseigné à prier en nous adressant à lui. Il a enseigné que la prière devait être adressée à Dieu, le Père, en son nom, Jésus. Cessons de prier le Seigneur Jésus, mais prions Dieu, le Père, au nom de Jésus. Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Gloire à Dieu. Et cela a été une vérité vraiment qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand nous partons prêcher l'Évangile, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question, vous adorez Dieu ou bien vous adorez Jésus? Que eux ne peuvent pas comprendre, c'est Dieu qu'on doit adorer, pourquoi est-ce que c'est Jésus qu'on adore? Mais aujourd'hui, cette vérité est venue m'ouvrir les yeux, est venue nous ouvrir les yeux, veut nous faire comprendre comment est-ce qu'il faut prier le Seigneur. Et il nous dit aussi que si nous prions, nous devons prier le Père. Et quand nous prions le Père, nous devons associer son nom au nom de Jésus. Et c'est en cela que nous serons exaucés. Et le Père lui-même va demander à Jésus de le faire. Vraiment, c'est une vérité qui m'a beaucoup marqué. Et à partir de cela, nous avons pris l'engagement de prier le Père au nom de notre Seigneur Jésus et de savoir quelle est la comparaison entre prier Dieu et prier le Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lagou Grâce de l'Assemblée 39 d'Atiekwa. Et nous aussi, nous avons été frappés par une vérité dans le chapitre 5. Et cette vérité concernait où le Seigneur nous a parlé de la puissance de l'Église. Et nous avons compris que l'Église était l'amoureuse du Seigneur. Et que le Seigneur s'était lui-même engagé à répondre à tous les besoins de l'Église. Et nous avons compris que si l'Église se met ensemble, puisqu'il y a la puissance dans le nombre, nous allons faire descendre les desseins de Dieu. Et pendant qu'on partageait,
Une sœur avait compris comme ça, elle avait eu l'esprit ouvert, elle pensait à, dans la Bible où Pierre était en prison, où l'église avait prié jusqu'à ce que Pierre sorte de la prison. Et on se disait, mais et si l'église n'avait pas prié? Et on a dit, malheur à nous, si nous en tant qu'église, nous n'aimons pas être au lieu de la prière. Et nous avons pris l'engagement d'être aux rencontres de prière, afin, parce que Dieu compte sur nous en tant que son épouse. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Guy Mathias de l'Assemblée numéro 34 à Tiekwa. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Kana Désiré Maxime. Au chapitre 5, une vérité nous a marqué, où l'auteur disait, notre Dieu est fabuleusement riche, il est immensément riche. Cela nous a ouvert l'esprit pour comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses. Nous limitons souvent la main de Dieu en demandant des choses qui sont en deçà de ses possibilités. C'est-à-dire que nous limitons la main de Dieu. Nous voyons que Dieu ne peut pas accomplir de grandes choses. Or, les choses impossibles, Dieu les accomplit. Et cela nous a ouvert l'esprit pour prendre des engagements, pour dire que désormais, nous nous engageons à demander des choses impossibles à Dieu. Parce que souvent, nous doutons. Et il a dit dans sa parole, quand nous demandons mal. Nous ne devons pas limiter la main de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de notre espérance, de ce que nous croyons ici-bas. Il est immensément riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand nous lui demandons, ne limitons pas sa main. Demandons des choses même impossibles aux hommes. Cela est possible à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Guédé Jacqueline et j'ai pour faisant le disciple le pasteur Bikou Kodjo. Alléluia. J'appartiens au groupe 6 à Tiekwa. Et la vérité qui nous est marquée est dans le chapitre 5, le grand 1, l'engagement de Dieu. Et la vérité que nous avons relevée, c'est que Dieu s'est engagé à exaucer nos prières. Alléluia. Mais il faudrait que les prières que nous adressons à Dieu soient en conformité avec sa volonté et pour sa gloire. Alléluia. Et donc j'ai compris par là que peu importe ce que nous allons demander à Dieu, peu importe le fardeau que tu as dans ton cœur, mais il faudrait que lorsque tu adresses ces prières à Dieu, que cela soit pour l'intérêt de Dieu d'abord et que son nom soit glorifié d'abord. Alléluia. Et vraiment, ça m'a ouvert l'esprit et j'ai vécu cela. Alléluia. Si vous me permettez, j'ai fait un petit témoignage pour appuyer cela. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ à la CMCI, 2 mois après, ils ont lancé le jeûne mondial qui, en octobre. Alléluia. 40 jours de jeûne complet. Et je me suis engagée. Alléluia. Et j'ai fait le jeûne. Après le jeûne, j'ai dit, je vais passer le concours de l'ENA. Alléluia. Et de mon esprit, je disais, bon, comme j'ai fait le jeûne, c'est que Dieu forcément va m'exaucer. Et donc, à l'assemblée où j'adorais, je donnais mon sujet. J'ai dit, ah, prions pour que j'aie le concours de l'ENA. Mais quand ils priaient, à l'intérieur, moi, je me disais, vous allez voir, quand j'ai avoir mon concours de l'ENA, je vais marcher comme ça. Quand j'ai garé ma voiture, je ne serai plus la même personne. Vous allez voir mes habits, je vais porter, frère. C'était mes intérêts d'abord, avant celui de Dieu. Et effectivement, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur, frère. Parce que le Seigneur, il est juste et il fait toutes choses selon sa volonté. Alléluia. Et moi et mon groupe, dès à présent, nous avons pris l'engagement. Avant que nous adressions une prière à Dieu, nous allons nous poser ces questions-là. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu sera glorifié d'abord? Est-ce que même les frères même seront heureux si Dieu m'exauce? Alléluia. Avant que moi je sois heureux, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Thérèse Koukoua. Je suis de l'Assemblée numéro 13 à Tiekwa. C'est vrai que cette vérité a déjà été dite concernant le nom du Seigneur. Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que dans les cahiers d'action de grâce, on dit Père, Père, Père.
même dans les cahiers de prière, Père, 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 quand j'ai vu que le Seigneur nous disait de prier, le frère Zach a écrit qu'il faut qu'on prie Dieu, mais au nom de son Fils. Et j'ai en même temps pensé à ce qui est écrit dans les cahiers de prière, dans les cahiers d'action de grâce. J'ai vu que c'était réel. Dieu ne doit pas être écarté. On prie Jésus en même temps au nom de Jésus, comme si un était écarté. On doit crier à Dieu. Dieu a dit, le Seigneur a dit qu'on prie le Père, que ce que nous allons demander au Père en son nom, il va nous donner. Donc Dieu s'est engagé à nous exaucer. Si nous prions, nous le prions au nom de son Fils. Alléluia. Et vraiment, ça m'a béni. Ça a béni le groupe. Ça m'a même béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis Charlotte Cougnon, disciple du pasteur Meunier Boniface. Je fais partie de l'Assemblée 24 d'Atiekwa. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais partager une vérité. Effectivement, dans le chapitre 5, paragraphe 16, qui parle de vue spirituelle et importunité. Ici, si vous le permettez, je vais lire un bout de passage qui dit « Un problème se pose souvent dans de nombreux cœurs. Comment puis-je concilier cette invitation à demander et à continuer à demander jusqu'à ce que j'ai reçu, avec le fait de demander et recevoir avant d'avoir vu? Comment savoir que j'ai reçu par la foi sans voir, pour que je cesse de demander? N'y a-t-il pas un danger à cesser de demander, alors que Dieu veut que je l'importune pendant longtemps, ou à perdre mon temps à demander ce que Dieu m'a déjà donné, trahissant ainsi le doute? Gloire à Dieu. Mm-hmm. Et jusqu'à la fin. Mais ce passage a attiré notre attention sur le fait de la prière d'importunité. Alléluia. Mm-hmm. On a compris que lorsque nous demandons à Dieu, nous ne prenons pas la peine de nous arrêter pour savoir si Dieu nous a répondu sur le champ ou si Dieu nous dit qu'il nous répondra plus tard. On continue de crier à Dieu, Seigneur, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, donne-moi ceci, cela. Pendant qu'on crie, on ne prend pas la peine de s'arrêter pour savoir si Dieu nous a exaucés ou pas. Et on continue de prier, de prier, de prier. On met tout en doute. Frère, cela m'a ouvert les yeux sur un fait qui s'est passé sur le campus. Une fois, nous étions en chambre et il y a une dame qui est passée, elle vendait le pain sucré. Elle criait, elle disait « Sugar bread, sugar bread, sugar bread, sugar bread !» Ça veut dire pain sucré. Sugar bread. Oui, sugar bread. Ça veut dire pain sucré. Sugar bread. À force de crier, c'est sur le palier, tout le palier criait « Eh madame, on veut le pain !» Mais à force de crier, elle ne se rendait pas compte qu'elle avait des clients derrière elle. Elle a tellement crié qu'elle a quitté le palier sans vendre un seul pain. Pourtant, elle a eu beaucoup de clients qui l'appelaient. Gloire à Dieu. J'ai compris que vraiment, c'est la même chose pour un enfant de Dieu. On crie à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, cela, donne-moi ceci, cela, donne-moi ceci, cela. Mais arrête-toi pour demander et pour savoir si Dieu t'a exaucé ou pas. Mais l'engagement qui a été pris vraiment est tellement grand. On a décidé de continuer de demander à Dieu. Mais pendant que nous demandons à Dieu, nous allons nous arrêter pour savoir si Dieu nous a exaucés ou pas. Alléluia. Amen. Le chapitre que nous avons partagé avant, le chapitre 5, parlait de l'art spirituel, la volonté de Dieu et l'attente devant Dieu. Il fallait chercher à connaître la volonté de Dieu, parce que Dieu n'exauce que les prières qui sont faites selon sa volonté. Alors, et le chapitre 5, lui, c'est l'art spirituel de la prière, les besoins du croyant. Dieu accepte sa volonté, mais il s'est aussi engagé à exaucer aux besoins qui lui sont adressés par l'Église. Il est engagé à exaucer les prières élevées à lui par des individus. Et quand tu parcours la Bible, tu vas découvrir qu'il y a plein de personnes, des individus qui ont prié et le Seigneur a exaucé.
Il a produit le réveil à certains endroits. Il a exaucé la prière de Anne. Il a guéri le lépreux. Il a guéri beaucoup de malades. Il a même dit qu'il guérissait tous les malades. Donc les gens criaient à lui et il exauçait. Il y a cette famille qui a arraché le toit et qui a fait descendre leurs malades là où se trouvait Jésus. Jésus a exaucé. Et il est engagé à répondre à nos prières. Si tu lui demandes au sujet de la guérison physique, il va le faire. Si tu lui demandes au sujet du succès, il va le faire. Si tu te recommandes à lui pour un voyage, il va le faire. N'est-ce pas qu'il a souvent fait? Tu t'es recommandé à lui, tu es parti, tu es revenu sain et sauf. La prière, mais seulement la prière doit être adressée à Dieu le Père, au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est Jésus qui a combattu contre Satan et il a triomphé. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que la prière est faite, la prière selon la volonté de Dieu est faite exactement comme Jésus l'aurait fait s'il était encore sur la terre. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est par ce nom-là que nous sommes admis. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant Dieu, le Père. Mais quand nous disons Jésus, son cœur est adouci. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus. Et nous allons nous exercer à le faire. Et nous devons tout faire pour que nos prières soient conformes et à la volonté de Dieu et que nos prières visent la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, la destruction de Satan. Nos prières ne doivent jamais s'adresser contre un frère, contre un être humain. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Et quand tu demandes, il faut croire. Quand tu demandes, puisque Dieu s'est engagé, il dit, demande et tu vas recevoir. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. Alors si Dieu a pris le risque de s'engager comme ça, l'auteur voulait qu'on comprenne que quand on demande, on doit croire. On doit voir ça spirituellement et recevoir ça spirituellement. Et écouter le témoignage du Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Quand le Saint-Esprit est la source de ta prière, tu sauras au fond de toi que là maintenant, je dois passer à autre chose parce que Dieu m'a déjà exaucé. Et nous devons connaître les promesses de Dieu pour qu'on réussisse à être exaucé. Nous devons nous saisir des promesses de Dieu et nous emparer des promesses de Dieu. Et les réclamer, et les réclamer, et les réclamer. Parce que Dieu ne se dédie pas. Dieu est engagé envers nous selon ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au partage concernant le chapitre 5 qui porte sur l'art spirituel de la prière, les besoins du croyant. Rapidement, les sept personnes. Chapitre 6, pardon. Nous allons passer au chapitre 6 plutôt. Le chapitre 6 parle des limitations de Dieu. Nous allons examiner ici, nos frères vont nous partager là-dessus. Les limitations de Dieu. Dieu peut-il être limité, bien qu'il soit si engagé envers nous? Écoutons nos sœurs. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Flora Djaï. Je fais partie de l'Assemblée 37. Et j'aimerais partager sur le dernier point du chapitre 6, la dernière page, où ça parle de Dieu et les prières du juste. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Il y a des vérités qui nous avaient vraiment touchés dans ce passage. Et j'ai compris que quand on parle des limitations de Dieu, Dieu n'est pas limité dans les ossements. Gloire à Dieu. Mais c'est l'état de cœur avec lequel nous présentons devant Dieu. C'est en fonction de ça que nous recevons de Dieu les ossements ou pas. Et le frère Zach disait, je vais citer, il disait que si tu es juste et droit, certainement alors
Il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence demeure, à ton innocente demeure. Et par la suite, il dit aussi que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Un peu plus loin, il dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Gloire à Dieu. Mmh. J'ai compris que nous devons nous purifier, nous devons travailler sur notre cœur, de sorte que notre cœur soit pur devant Dieu, de sorte que lorsque nous nous présentons à Dieu, il exauce nos prières. Et même à la fin de ce chapitre, il nous exhorte en disant que de telles promesses devraient stimuler le cœur à faire de la sainteté son but et de la prière sa vie. Gloire à Dieu. Et j'ai de cet appel, nous avons prié sur cette vérité et chacun a pris l'engagement de pouvoir travailler de sorte à avoir un cœur sain et à faire de la prière sa vie. Gloire à Dieu. Et ce sont ces vérités-là que je veux partager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gracielle et je suis de l'Assemblée 20 d'Atiekwa. Et j'ai été touchée par le grand 2 du chapitre 6. Le grand 2, c'est la prière rebondissante. La prière faite par des cœurs injustes rebondira sur l'injustice et reviendra à ceux qui prient dans une telle condition de cœur. La prière de l'injuste ne sera pas écoutée par le Seigneur et ne sera pas exaucée. Et quand on lisait cette partie, je comprenais clairement que le Seigneur, notre Dieu, regarde à l'état du cœur qui prie. Et il regarde à la nature de la personne qui prie. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la nature de ta personne? Ici, il est écrit que la prière faite par des cœurs injustes rebondira sur l'injustice. Nous ne pouvons pas crier à Dieu, implorer sa justice dans les situations que nous traversons. Implorer sa justice dans nos relations. Implorer sa justice au travail. Dis Seigneur, défends notre cause, descends. Pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas justes envers notre prochain, envers notre ami, envers tous ceux qui nous entourent. Donc, avant de pouvoir demander à Dieu que ce soit sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, il faut pouvoir être soi-même bon. Il faut pouvoir être soi-même miséricordieux. Gloire à Dieu. Amen. Et je prends un exemple. Je ne sais pas, ça doit être entre 2019 et 2020. À la maison, maman avait reçu beaucoup de jeunes filles. Il y a eu une période où elle recevait beaucoup de jeunes sœurs qui se mariaient. Alléluia. Et c'était des jeunes filles qui étaient dans la même tranche d'âge que moi. Moi, personnellement, le mariage, là, bon, à cette période-là, c'était même pas dans ma tête. Il fallait que je reste auprès de mes parents, que je voie Dani devenir une femme, que je voie Jojo. Mes pensées n'étaient même pas encore dans le mariage. Et maman est entrée dans la chambre où nous avons reçu une sœur de la Russie. Et j'étais juste derrière. Elle dit, oh Seigneur, voici ma fille Gracielle. Elle est de la même tranche que ces filles que je reçois ici, là. Alléluia! Elle a dit ça, hein. Vous voyez, c'était pas une prière assez trop sérieuse. Oh Seigneur, fais si. Je sais qu'elle a eu à faire des prières très sérieuses. Mais ce soupir de son cœur avait été exaucé au cours de cette même période. Parce que elle avait elle-même aimer des jeunes filles qui avaient besoin d'être encadrées jusqu'au mariage. Elle les avait portées. Elle les avait conseillées.
Et sa prière, son soupir est monté vers Dieu. Cette prière-là est montée vers Dieu. Alléluia. Je t'exhorte vraiment à réviser ton attitude de cœur et à réviser ta vie, ta propre personne, pour voir s'il y a des vertus qui te manquent. Ça peut ne pas être forcément des gros péchés, ça peut être des vertus que tu n'as pas. Tu n'es pas patient. Ça peut être que tu n'es pas tolérant. Alléluia. Il faut régler d'abord ça avec le Seigneur et prier. Et tes prières seront exaucées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Angèle Kodonou, missionnaire numéro 2 à Mankono. J'ai pour plusieurs disciples mon Colette Meunier. Amen. Amen. Je suis de l'assemblée 6 à Tiekwa. Et je voulais partager sur le manque de miséricorde dans le chapitre 6 et le manque de pardon. Le Seigneur a ouvert mon esprit pour comprendre que il y a des besoins de certaines personnes. Il y a des cris. Il y a des gens qui attendent la miséricorde. Il y a des besoins des gens qu'on doit porter devant Dieu. Et on ferme nos oreilles aux situations de ces personnes-là et on se concentre sur nous-mêmes. Amen. Et j'ai compris que le Seigneur disait que si on se détourne, on détourne nos oreilles des cris des malheureux, le Seigneur va aussi fermer ses oreilles à nos cris. Alléluia. Vraiment, ça... Et à la suite, le Seigneur nous dit que le manque de pardon. Dès que tu refuses de pardonner à quelqu'un, que tu te mets à prier, le Seigneur rejette immédiatement la prière. Et donc, j'ai pris l'engagement de ne pas fermer mes oreilles aux cris de ceux qui sont dans le besoin. Je dois porter ces besoins-là dans la prière. Et je ne vais pas dans la présence de Dieu pour prier si je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Le Seigneur nous dit qu'il faut d'abord pardonner avant d'aller déposer ton offrande, avant d'aller prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Jacqueline Etienne. Je suis du groupe 1. Gloire à Dieu. Je vais partager la partie qui parle de l'esprit du monde. L'auteur a dit ici que demander à Dieu des choses pour que nous puissions être comme les gens du monde, pour nous comparer à eux, pour gagner leur faveur, etc. Cela revient à rechercher la défaveur de Dieu. L'amitié se développe quand on la cultive soigneusement. Nous ne pouvons pas cultiver l'amitié de Dieu. Nous pouvons cultiver l'amitié de Dieu ou l'amitié du monde. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui m'a marqué dans ce contexte, c'est que il a dit que l'amitié se développe en cultivant, en la cultivant. Gloire à Dieu. Donc, je comprends que l'amitié avec Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, je dois avoir une amitié. Je dois cultiver mon amitié avec Dieu pour que cela puisse, pour que la faveur de Dieu soit sur moi. Gloire à Dieu. Amen. Je dois rechercher toujours la volonté de Dieu et demander. Si Dieu sait que je suis dans sa volonté pendant que je demande, qu'il sait que j'ai son amitié, sa faveur vraiment va descendre sur moi. Mais si je recherche, moi, je suis entré en Dieu et puis j'ai les pensées ou bien j'ai un esprit pour satisfaire, pour plaire aux hommes, cela ne va pas, le Seigneur, je n'aurai pas la faveur de Dieu. Donc je comprends que je dois toujours tout être dans le camp de Dieu parce que je dois entretenir ma relation avec le Seigneur, je dois la cultiver pour pouvoir avoir sa faveur. C'est ce que nous avons compris. C'est ça qu'on a partagé. Amen. Gloire à Dieu. Et au sujet du chapitre 6,
Nous devons retenir ceci, le chapitre 6 qui est l'art spirituel de la prière. Nous devons retenir que, bien que Dieu soit engagé à nous exaucer, il y a des choses qui peuvent l'empêcher de nous exaucer. Dieu n'exaucera jamais la prière faite avec le péché. Une telle prière faite avec le péché va rebondir pour nous retrouver là où nous nous trouvons. Et ça peut prendre tout le temps que ça peut prendre. Dieu ne va pas changer. Dieu n'exauce pas les prières qu'on lui élève en se comparant avec le monde, du genre, Seigneur, fais ça pour que les gens sachent que. Seigneur, donne-moi ceci pour que les gens sachent que. Dieu n'exaucera pas les prières. Il sera limité par le manque de miséricorde. Tu veux que Dieu te fasse grâce, mais il y a quelqu'un à qui tu n'as pas fait grâce. Ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, ça peut même être quelqu'un qui, vraiment. Et quand on dit miséricorde, ça veut dire que la personne ne mérite pas la miséricorde. La personne ne mérite pas le pardon. Donc, si tu veux que Dieu t'exauce, rassure-toi que tu as pardonné à celui qui t'a offensé. Rassure-toi que tu as fait la paix avec celui avec qui tu n'es pas en paix. Rassure-toi que le méchant, ce n'est pas toi qui vas punir le méchant, c'est Dieu lui-même. Et que tu ne vas pas le livrer pour que Dieu le détruise. Rassure-toi aussi que tu ne pries pas avec orgueil. Moi là, je suis là depuis. Moi là, je sais parler français, je sais prier, je sais manier la langue. Moi, je n'ai pas de péché, Dieu devrait m'exaucer. Que personne ne dise qu'il n'a pas de péché. Mais Dieu est absolument engagé. Dieu est absolument engagé à la prière du juste. Le juste, c'est celui qui travaille, qui vit, qui fait tout pour que l'autre en bénéficie. Le juste, je répète, c'est celui qui, dans son travail, dans son labeur, dans ses discours, ses relations, vise le bonheur du prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons supplier Dieu qu'il inscrive ces choses en nous, qu'il déchire le voile. On a compris beaucoup dans nos têtes. On a même compris même un peu là, spirituellement. Mais il faut que le Seigneur déchire le voile, qu'il inscrive les vérités là en nous, que les ténèbres s'enfuient, qu'il nous amène à comprendre même pendant que nous sommes en train de continuer, de comprendre les implications de ces deux chapitres. Prions ensemble. Seigneur, tu parles. Et ta parole ne doit pas rentrer sans porter du fruit. Seigneur Jésus-Christ, je vais te supplier que le chapitre 5, la spirituelle, la volonté de Dieu, Seigneur, me saisis, oh Seigneur, pour que je m'applique à chercher la volonté de Dieu, à rechercher l'intérêt de Dieu, à rechercher, Seigneur, la gloire de Dieu, à prier pour que les gens soient, que le but soit que les gens soient édifiés. Oh Seigneur, que jamais ma prière ne porte contre quelqu'un. Même si, que jamais, je ne confonde Satan à un frère, Satan à un parent, Satan à un païen, Satan. Oh Père, enseigne-moi à voir à travers tes yeux. Oh, enseigne-moi à prier, à croire. Oh, que celui qui demande reçoit. Oh Seigneur, à m'interroger pourquoi je ne suis pas exaucé, afin que le mal soit ôté. Pourquoi Dieu ne m'a pas permis de trouver ce que je cherche? Oh, pourquoi Dieu n'a pas ouvert quand j'ai frappé, afin que moi-même je commence à régler mes propres problèmes, c'est au niveau de la prière. Et je sais qu'il en fait une petite assistance ici. Je prie à toi, Seigneur Dieu. Oh, que les limitations qui sont dans nos vies, que tu as exposées, soient traitées. Oh, Seigneur, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oh, Seigneur, ça dépend de nous. Oh, ça dépend de nous. Pardonne nos cœurs d'ici. Pardonne nos cœurs d'enculier. Pardonne nos cœurs de vengeant. Pardonne nos cœurs, Seigneur, qui souhaite le mal. Qui prie, mais qui souhaite le mal. Qui prie.
prie et qu'ils veulent que Dieu se venge. Ils prient et qu'ils veulent que Dieu nous venge. Oh, Éternel, oh, descends, descends.